Bonjour à tous et bienvenue sur Adeus TV pour ce 18e épisode sur Factorio. Alors épisode un petit peu spécial puisque on va faire du déménagement aujourd'hui. Alors pour commencer, tout d'abord on refait un petit tour rapide de l'usine et des quelques petits détails qui ont changé. J'en suis, comme vous pouvez le voir en haut à gauche, à 9 satellites lancés et 55% du 10e en cours. J'ai pas mal avancé au niveau des recherches, j'ai surtout avancé au niveau du nombre maximum de robots de combat puisque j'ai un succès à déverrouiller où il faut que je sois suivi par 100 robots. Donc il suffit que je termine ça et ce sera bon, je pourrai être suivi par 100 robots. Alors autre petit détail qui ont changé, pas grand chose, mais j'ai optimisé ça de manière ultra efficace, c'est-à-dire que j'ai fait en sorte que ça marche. Parce que, alors non, c'est pas celle-ci, si, c'est celle-là. Celle-ci n'était pas alimentée, ou il n'y avait plus la sortie, je sais plus. Voilà, il n'y avait pas de sortie ici, voilà. Ici, celle de la ligne d'en bas, il n'y avait pas la sortie du gaz pétrolifère, donc forcément, ça marchait beaucoup moins bien. Et j'ai rajouté une deuxième ligne. Alors là, on entend encore une fois la production électrique. D'accord, je suis à zéro. Non. Ah, mais c'est parce que oui, forcément. Si je regarde un pylône qui est assujetti à un interrupteur, ça marche beaucoup moins bien. Donc oui, effectivement, c'est un peu juste en électricité. C'est même trop juste. Donc, je vais enlever cette alarme qui m'énerve. Et c'est donc ça que je vais déménager. C'est la centrale nucléaire. Je me tâtais à optimiser peut-être un petit peu aujourd'hui l'usine. Et puis je me suis dit, tant pis, hein, si Factorio était un jeu d'optimisation, ça se saurait, autant se faire plaisir. Et j'ai 2-3 petites idées qui vont être sympas pour aller installer cette centrale nucléaire un peu plus loin. Bon voilà, on va essayer de faire en sorte que ça marche. Je vais surtout désactiver cette alarme qui va m'énerver. Parce qu'elle va pas arrêter de sonner du coup. Où est-ce que t'es? Elle était par là. Elle était par là. Suivez le fil rouge. Elle est là. On va enlever le son sur toute la map. Voilà, ça suffira. Donc grosso modo, voilà mon idée, je vais aller exporter toute ma centrale nucléaire. On va commencer par un petit bout, c'est pour ça que je me suis fabriqué deux réacteurs, des échangeurs, de la conduite de chaleur et bien sûr les turbines à vapeur. Donc déjà pour commencer un petit bout, et on va aller s'exporter sur une petite île. Et je pensais que ces deux petites îles là pouvaient être très sympas, quitte à les raccorder avec des combles, du remblai pardon. Faire du remblai entre les îles. Par contre, ça a l'air un petit peu occupé. Mais bon, qu'à cela ne tienne, c'est pas trop grave. Hein, on va se la jouer à l'américaine. Coucou, c'est nous. Bonjour, merci. Au revoir, ce pays est à nous. Et du coup, je vais quand même avant tout aller visiter un peu les abords, aller poser un ou deux radars pour explorer vraiment tout le tour. Histoire d'avoir une vue un peu plus globale de tout ça. We'll be right back.
Voilà, un peu d'exploration de fées, hein, tout en finesse, vous avez pu le voir. Là, a priori, il y a quand même une grande île qui a l'air fort sympathique. Qu'est-ce qu'ils veulent, eux? Ils sont pas contents? Non, ils sont pas contents. Je crois qu'ils ont pas aimé que je brûle leur forêt. Bon, je vais pas avoir le choix, alors que je me fasse toute la base qui est là-haut. C'est pas trop grave. Allez, on va traverser. Voilà. Donc là, on est sur une petite île bien sympa déjà, qui est pas très très grande finalement. On va faire un peu de ménage encore. Voilà, les robots destructeurs, c'est quand même hyper efficace. Donc cette petite île peut être très sympa pour me servir un peu, on va dire, de base arrière pour préparer tout ce qui sera nécessaire aux centrales nucléaires, l'uranium, peut-être un peu de fer parce que je vais avoir besoin pour faire les barres d'uranium, j'ai besoin de fer, le retraitement après des déchets. Donc ça a l'air plutôt pas mal, on peut l'arranger un peu à notre sauce. Voilà, on y voit un peu plus clair déjà. Et surtout, après j'aimerais accéder à l'autre île qui est là-bas. Est-ce que je passe par là ou est-ce que je fais le tour? Je pense que je vais couper là directement. Oui, si ici c'est la base arrière, ici on va couper. Alors je suis où? Il y a encore des arbres. Ok, donc les îles ici sont vraiment toutes petites, mais je pense qu'il y a moyen de faire un petit truc sympa, de le terraformer. Alors ouais, là sur moi je vais pas du tout avoir assez pour bien terraformer ça, mais l'idée c'est de rejoindre ça. Voilà, d'en faire un peu un carré, on va dire, de mettre les centrales au milieu et après de mettre les chaudières et les turbines de chaque côté. Donc il va falloir que je récupère un peu des éléments nécessaires à ça. Je ferai un petit train qui ira d'une île à l'autre, voilà, qui fera juste des petits allers-retours. Et ici, pareil, il y aura un train qui arrivera pour amener sûrement le minerai de plutonium et le fer, puisqu'il y en a besoin, comme j'ai dit, et puis d'autres éléments, si vraiment il y a besoin. Le tout sera géré donc par les roboports et par des robots ouvriers, comme ça je m'embête pas à faire le lancement. J'ai mis une petite alarme aussi sur ma fusée dès qu'elle est à 100%, voilà. Enfin, dès que mon compteur est à 100%, en tout cas. Oula, dans ce temps-là, c'est la vengeance. Donc ça va me débloquer enfin la dernière recherche là, que je fais sur les robots de combat. Je pense pas que j'irai plus loin que 100, hein. C'est vraiment pour me débloquer le succès que je fais ça. J'ai pas vraiment intérêt à me faire suivre tout le temps par 100 robots. Ah ouais, c'est parce que j'ai mis le feu, ils sont pas contents, hein. Je crois qu'ils sont pas vraiment aimés. Alors peut-être que ça va les calmer un peu plus déjà. Ah, alors, pas sur la bonne arme.
Heureusement que j'avais bien fait le plein de munitions avant de partir. Je me doutais que ce serait un peu sportif. Peut-être pas à ce point-là quand même. Voilà. De toute façon, il va falloir que je dégage aussi tout ça parce qu'il va falloir que je fasse passer les trains. Le train va passer. En même temps, je pourrais le faire passer par ici. Il y a une petite base là, a priori, qui va me gêner. Peut-être pas grand-chose, mais... Et celle-ci, on peut peut-être les laisser tranquilles, les pauvres. Hein. Alors, faut pas que je m'approche trop avec les robots destructeurs. Je sais pas si je peux les détruire, d'ailleurs. Bon, a priori, non. Qu'est-ce qui manque là-haut? Non, pas grand-chose. Faire le ménage ici. Et on va préparer tout ça. Donc je commence ça tout doucement. Je ne suis pas sûr qu'on terminera sur cet épisode. Il y en aura peut-être un deuxième pour le coup. Mais voilà, j'ai envie de faire ça et j'ai envie de faire quelque chose d'esthétique, on va dire. Essayer de faire quelque chose de joli pour une fois, plutôt que de faire un truc vite fait qui fonctionne bien, mais on recherche surtout l'efficacité. Là, on va essayer de faire un truc un peu sympa. Voilà, donc je prépare tout ça et je reviens tout de suite. Alors on va essayer d'accomplir notre succès. Normalement je peux atteindre les 100. Et voilà, 100 robots de combat. Dites bonjour. Que ça suffira. Je finis de tracer la ligne de chemin de fer. Alors je fais la ligne de chemin de fer en priorité tout simplement parce qu'elle va pouvoir me servir à amener du matériel. Comme vous avez pu le voir, le remblai, ça prend beaucoup de place. Je vais avoir besoin de pas mal de choses, donc je vais pouvoir charger un train avec tout ce dont j'ai besoin et me l'amener, lui faire des allers-retours pour aller chercher les choses à la base et pouvoir revenir tranquillement. Sinon ça va me prendre 3 plombes et de toute façon le train il fallait bien le faire. Donc, du coup on commence par là.
Alors voilà, j'ai fini la première gare. Je vais essayer de récupérer mon train. Voilà, celui-ci. Je vais l'amener jusque. Donc, l'appeler nucléaire 1. Est-ce qu'il veut bien venir? Oui. Donc le voilà, c'est ma première gare qui me servira à tout décharger. Là j'avais un système logique qui a priori ne me servira plus. Je pourrais le désactiver, mais je peux tout à fait le laisser. Ça change pas grand chose normalement. Si je vais désactiver quand même, on va tout enlever. Voilà, donc ça va décharger dans des coffres logistiques. La base logistique est ici. J'en mettrai d'autres hein, pour étendre. Et bien sûr d'autres par ici qu'on peut peut-être déjà placer. J'en avais pris deux ou trois d'avance. Voilà. Ici. Alors, voilà. Connecter ça électriquement. Ça passe. Oui, ça passe. Ah, par contre, je ne peux plus passer. J'ai plus de remblai, donc il faudra rien chercher. Bon, on attendra un petit peu. Donc là, ça va m'amener les différents éléments dont j'ai besoin. Ici, on va traiter les éléments. Et donc ici, je vais faire un petit train de chargement qui va surtout charger les combustibles et ramener les déchets. Et ici, il y aura vraiment toute la zone de la centrale nucléaire. Voilà, écoutez, je pense qu'on a déjà bien avancé sur le sujet. Vous voyez un petit peu dans quel sens ça va, il y aura peut-être une deuxième gare, peut-être même une troisième. On verra si j'ai besoin. Mais en tout cas, dans un premier temps, je vais mettre en place un train, on va dire, logistique, au sens propre du terme, vraiment pour m'amener les éléments dont j'ai besoin, donc les remblais, je vais avoir besoin de fer pour commencer, d'acier pour sûrement me construire des turbines supplémentaires, également de cuivre, enfin je vais avoir besoin de plein de choses, donc je vais me mettre deux wagons que je vais remplir et que je vais m'amener ici, comme ça m'évitera d'avoir à faire des allers-retours, même si avec le train maintenant ça doit être assez rapide. Et si tout se passe bien, je devrais pouvoir retrouver le chemin. Voilà, ça veut dire que tout est bien tracé. Donc n'importe quel train de mon réseau peut accéder via ce rond-point, bien sûr, peut accéder à cette gare, donc il n'y a aucun souci. Voilà, bah écoutez, j'essaie d'avancer comme un tout petit peu, peut-être pas trop, je vais essayer de vous laisser quand même la primeur de la surprise. Et puis voilà, j'espère que ce petit épisode un peu particulier vous a plu. Et j'avoue qu'il me tarde un petit peu d'avancer pour voir un peu de à quoi ça va ressembler. Et puis voilà, donc je laisse un petit peu de suspense. Donc on se retrouve très vite pour le prochain épisode. Allez, ciao.